pendant la débâcle, en juin 40, qu'a commencé ce voyage qui allait me mener si loin. Avec ce qui restait du régiment, nous descendions à marche forcée depuis les Ardennes. Les officiers avaient dit qu'on allait se regrouper au sud de la Loire. La capitale était déclarée ville ouverte. Nous longions Paris sans y entrer. Il ne nous restait que nos fusils. Petit à petit, en chemin, nous avions tout laissé dans les fossés de la route. Pour ma part, j'avais gardé un sac de livres dont la courroie me sciait les épaules. Ce jour-là, nous avions mangé. Une épicerie abandonnée nous avait approvisionné en chocolat et en sardines à l'huile. Nous allions droit devant nous, sous le soleil de l'été. Nous avions soif et surtout nous étions fatigués. Parce que nous sommes les plus forts. Connerie. Tu sais ce que je boirais bien? C'est un grand demi de bière bien fraîche avec de la mousse dessus. Dis donc, professeur, toi qui sais tout, tu crois qu'on va ronfler un coup cette nuit? Oh, on sait rien. Ça nous fera pas de mal, hein. Attends, je vais aller voir. Bon, lieutenant. Oui. On pourrait peut-être essayer de dormir un peu. Les Allemands doivent pas être bien loin derrière. On est tous épuisés. Si on s'arrête pour la nuit, on est pris. Ouais, mais enfin, on pourrait s'allonger une heure ou deux. Où ça? Je sais pas. Par là-bas. Filez devant et regardez s'il n'y a pas un bâtiment quelconque. Y'a du monde! Une fabrique de matelas. Installez-vous comme vous pouvez, on va se reposer deux heures. Vanier. Mon lieutenant. Allez voir s'il y a de la lumière. Oui, mon lieutenant. Là-bas. Dariou. On a plus la pharmacie. On a tout foutu en l'air, hein. Ah, c'est bien toi, ça. Fais voir. Vous déshabillez pas pour... Dis donc, ça a l'air rudement profond, hein. Y a pas une fontaine par là? Allez voir. Oui, mon lieutenant. Votre main. Comment vous le savez? Entrez. Bonjour, monsieur Samenou. Entrez, nous vous attendions. Je suis très heureux de vous accueillir. Suivez-moi. Vous pardonnerez ce désordre, mais je suis veuf et la nourrice de ma fille vient de mourir. Essayez-vous. Je vous attendais. Mais... vous me connaissez, monsieur? Je savais que vous alliez venir frapper à ma porte cette nuit. Je sais aussi que vos amis vont dormir, que vous avez le temps de soigner votre blessure et de boire. Et de m'écouter, si vous le voulez bien. Ma fille s'appelle Annette. Je suis le professeur Essaillon. Noël Essaillon? C'est vous qui m'avez répondu il y a un an dans la revue de mathématiques. Oui, votre article était exceptionnel. La théorie des infinis limités est géniale, vous entendez? Géniale. Pourtant, tout le monde s'est moqué de moi. Oh, les imbéciles. Il n'y a que vous qui m'ayez soutenu. Eh bien, j'en suis fier.
Vos travaux m'ont passionné. Ouais. J'aurais aimé aller plus loin, puis la guerre a éclaté. Moi, j'ai été plus loin. Beaucoup plus loin. Grâce à vous. Ah, ce que j'ai à vous dire n'est pas ordinaire. Vous êtes mathématicien? Moi, je suis physicien, un peu chimiste aussi, mais je n'aboutissais à rien. Vous m'avez éclairé. Tenez, regardez ça. J'ai fabriqué une substance qui me permet de disposer du temps. Vous entendez? Du temps. Je peux aller dans le passé ou dans l'avenir, à ma volonté. Ben, pour l'instant, je ne suis pas encore bien loin. Enfin, le principe est acquis. Si vous avalez la petite pilule noire, vous allez partir dans le passé pour 15 minutes environ, une demi-heure. Et l'autre, la rouge, vous fera faire le chemin en sens inverse. Vous ne me croyez pas? Si, si, si. C'est l'aboutissement de votre théorie? Oui, bien sûr. Tentez l'expérience. Seul moyen que j'ai pour vous convaincre, vous l'avalez et vous rajeunissez d'un quart d'heure. Et avec l'autre? Ah ben l'autre vous ramènera ici. Parce que nous sommes les plus forts. Connerie. Oui. Tu sais ce que je boirais bien? Ouais. Un grand demi de bière bien fraîche avec de la mousse dessus. C'est ça? Dis donc, professeur, toi qui sais tout, tu crois qu'on va ronfler un coup cette nuit? Ouais, une heure ou deux. Mon lieutenant. Oui. On pourrait peut-être essayer de dormir un peu. Les Allemands doivent pas être bien loin derrière. On est tous épuisés. Si on s'arrête pour la nuit, on est pris. Ouais, mais... on pourrait s'allonger, une heure ou deux. Où ça? Il y a une fabrique de matelas là-bas. Vous connaissez le quartier? Oui, un peu. Filet. De matelas. Installez-vous comme vous pouvez, on va se reposer deux heures. Bagné. Mon lieutenant. Allez voir s'il y a de la lumière. Oui, mon lieutenant. Bon, vous installez comme vous pouvez là. Vous là-bas, vous prenez votre pièce. Bagné. Oui. Allez voir s'il y a des lavabos aussi. Oui, mon lieutenant, vous voilà. Minutes à peu près. Ah oui. Ah oui, elles sont pas très bonnes mes pilules. Hein. Elles dessèchent la gorge. Ah oui, je le sais, je les ai essayées. C'est comme ça que j'ai su que vous alliez venir. Et Annette, va lui chercher à boire. Et à manger aussi peut-être? Oui, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un chat? Non? Ah, nous n'avons ni chien ni chat, c'est un fantôme. Non, tu ramasseras ça plus tard. Va lui chercher à boire. C'est extraordinaire ce qui vient de m'arriver. Ma main n'a plus rien. Vous aviez quelque chose? Oui, enfin, il me semble. Je sais plus. Ah ben, moi non plus. Si vous avez modifié quoi que ce soit en montant le cours du temps, le premier souvenir s'efface. J'ai changé ce qui avait eu lieu. Mais c'est tout l'intérêt de cette découverte. Vous n'êtes revenu dans le passé que de quelques instants, mais quand j'aurai perfectionné tout ça, vous pourrez retrouver votre jeunesse, faire autre chose, éviter tous les malheurs qui vous ont frappé. Recommencer, recommencer.
Et vous-même, vous n'avez pas recommencé? Oh, bah, non. Non, moi, je veux rien changer. Non, je veux pas éviter l'accident qui a fait de moi l'infirme. C'est grâce à lui que j'ai connu la maman d'Annette. Elle était mon infirmière, je l'ai épousée. Elle est morte en la mettant au monde, alors c'est... Si je retourne en arrière, si je supprime l'accident, je supprime aussi la naissance de ma petite fille. Comprenez? Bon. Venez, je vais vous montrer mes calculs. Tout ce qui découle de votre équation. Je vous dois bien ça. Mais dites donc, professeur. Ah, bien sûr, vous avez intégré les variables. Monsieur Salomon. Merci. C'est prodigieux. Ah, mais ça ne me suffit pas. Les petites pilules le permettent de rajeunir un peu, mais pas encore de bondir loin dans le passé, dans l'avenir. Mais ça, j'y arriverai. Vous entendez? J'y arriverai avec vous. Les Allemands! Les Allemands! Sauvez-vous. Rejoignez vos camarades. Vous ne partez pas? Non, je sais que nous nous retrouverons. Quand ça? Un beau jour. Avec mes petites pilules, l'avenir est à nous. Bonne route. C'est méchant. Je me suis retrouvé à 300 km de Paris, avec pour seule fortune le tableau de mon ancêtre. J'ai été nommé professeur au collège de la ville pour le premier hiver de l'occupation. Mes élèves avaient froid dans la classe et faim à la cantine. Je vous rappelle qu'une ellipse et une hyperbole sont dites focales l'une de l'autre si elles ont 1. Un axe focal commun, 2. Des plans perpendiculaires et si les sommets de l'une sont foyers de l'autre. C'est bien compris? Même ventadour? Quand le printemps est revenu, il n'avait plus froid. Mais les mathématiques, pour eux, faisaient toujours partie des horreurs de la guerre. Mon cher ami, le beau temps est de retour, sinon les beaux jours. Voici les vacances qui approchent, pourquoi ne viendriez-vous pas nous rendre visite? Ça nous ferait plaisir. Et à moi ce serait bien utile, mes travaux n'avancent guère. J'ai besoin de vos mathématiques. C'est qui manque. Non, merci beaucoup. Mais la sauce est très bonne. Merci. Ah. 6 pendules et toutes ensemble. C'est normal pour un homme qui s'occupe du temps. Il n'y a plus de pain, papa. Eh ben oui. J'ai pas inventé la machine à fabriquer les tickets. Il n'y a plus de pain, mais il me reste encore quelques bonnes bouteilles. Nous allons goûter celle-là, monsieur Saint-Menoux. Appelez-moi Pierre. Ah ben volontiers. Dites-moi, j'ai oublié de vous demander, vous êtes parent avec le héros de l'Empire? Oui, c'était le grand-père de mon grand-père.
Oui. Saint-Menoux Nicolas Blaise, général français, né à Châteauneuf-du-Rhône, 1770-1830. Ah, c'était un brave. Il a traversé 20 ans de guerre presque sans une égratignure, et puis il est mort du choléra dans son lit. Et Napoléon l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur dans la première promotion en 1804. Eh bien, nous allons boire à sa santé, si je peux dire. Non, très peu pour moi, merci. Ah, vous êtes sobre ? Méfiance scientifique. Vous savez, le vin est fait avec des raisins qu'on asperge de soufre et de verre de gris et qu'on met à pourrir. Eh oui. Nous savons tout ça et nous en buvons quand même. Pourquoi ? Parce que c'est bon. Eh oui. Et parce que nous sommes des hommes. Des animaux absurdes et merveilleux. Allez, on va traquer à leur santé aux hommes. Par les temps qui courent, ils en ont bien besoin. Ah, j'ai bien besoin de vous. J'ai guère progressé depuis 1940. Toujours les petites pilules ? Non. Non, maintenant, l'impulsion de départ est électrique. Et puis, on va tout de même plus loin, hein. C'est une lapine. J'en ai trois comme ça avec un mâle. Tout le monde fait de l'élevage à présent. Voilà. Elle est dans l'avenir. Combien de temps il y reste, ça, je ne sais pas exactement. Ça n'est pas le même temps que pour nous, hein. Quelques secondes pour nous, peut-être, mais pour elle... Et voilà pourquoi nous mangeons si souvent du lapin. Eh oui, mais tout ça est encore très imprécis, hein. Ce que je veux, c'est qu'on puisse voyager dans le passé ou dans l'avenir en gardant sa personnalité du temps présent. Et aller regarder vivre le gamin qu'on a été. Exactement. Mais pour réussir cette dissociation, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Je vais essayer. La défense passive. À chaque fois qu'il y a des bombardements, j'ai peur. Oh, ben vous savez, si on fait un calcul de probabilité, la superficie de votre maison, ça doit être de 180 mètres carrés. Alors, une bombe sur Paris, ça vous donne une chance sur 40 millions d'être touché. Une chance ? Oui, enfin, à peu près, il faudrait affiner le calcul. Vous calculez toujours tout ? Naturellement. Il n'y a rien de plus important pour vous que les mathématiques ? Non. J'ai froid. Tenez. Il y a deux fusils. On n'entend plus la DCA. Mal à l'air de la finir. Je vais me coucher, il va plus rien arriver. Oh non, non, il ne va plus rien arriver. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Plus V1 par V2 sur C2. C'est lumineux, c'est évident. C'est clair comme le jour, bravo. Annette, la solution est là. Va nous chercher à boire, on va arroser ça. Non, non, professeur, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille. J'ai pas de lumière à mon vélo. La prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera le grand voyage, j'en suis sûr. Au revoir, professeur. Vous savez, mademoiselle Annette, je suis sûr du résultat. Le calcul est juste.
Mais je pense qu'il doit y avoir une solution plus élégante. Au revoir, mademoiselle Annette. Au revoir, Pierre. Messieurs, vous avez une demi-heure. Mon cher Pierre, grâce à vous, le principe est solide. Ce sont maintenant des difficultés matérielles qui me retardent. Annette m'aide le plus possible. Nous parlons souvent de vous. Fantadour, je peux vous aider si vous voulez. On va se mettre carrément à trois sur la copie. Dans un établissement parisien de renommée séculaire. Dans votre carrière, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. J'espère que vous en avez conscience. Oui, naturellement. Bien. Ah, j'exige des professeurs qu'ils fassent régner l'ordre dans leur classe. L'époque n'est pas aux plaisanteries. Vous me comprenez ? Bien sûr, monsieur. Bien. Dans les circonstances que traverse notre pays, la France doit retrouver le sens de la grandeur. Pour vos heures de cours, bien entendu, vous vous conformerez au tableau qui se trouve dans mon bureau. Vous commencez à 8h moins le quart. Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens voir le professeur Essayon. Oh, attendez. Vous avez rendez-vous ? Non, 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 mais il me connaît bien. Vous vous appelez comment ? C'est Pierre Samenou, Marie-Jeanne. Bonjour. Bonjour, Annette. C'est notre amie, Marie-Jeanne. Il faut l'accueillir mieux que ça. Pendant votre absence, vous avez oublié les bonnes manières. Hein? Oh, vous, hein. Taisez-vous. C'est la nourrice de ma fille. Vous n'avez pas pu la rencontrer lors de votre dernière visite. Elle était morte. Ah, ben oui, c'est une bonne raison. Elle est morte juste avant l'exode d'une fracture du crâne. Alors, dès que j'ai pu aller dans le passé... Ça y est ? Vous allez voir... Je suis retourné en arrière au matin de son accident et je l'ai bouclé dans sa chambre pour pas qu'elle aille se casser la tête. Au soir, elle est sortie à moitié enragée, mais vivante. Et vous l'avez ramenée à la vie ? Ouais. Eh ben, elle ne me le pardonne pas. Elle dit que elle devait mourir, qu'elle a volé son temps au bon Dieu. Tenez, vous allez inaugurer ce costume. Il conserve au temps présent tout ce qui est à l'intérieur. Je l'ai appelé le scaphandre du temps. Annette, passe-lui les gants. Pour votre premier essai, on va vous faire un tout petit saut. Oui. Hein? Je sais pas, moi, que diriez-vous de vous retrouver cette nuit à 3h du matin ? Ah, oh ben oui. Ou alors ce soir à 8h. Très bien, oui. Vous n'êtes pas très fixé, hein ? Mais c'est, tout ça m'émerveille tellement. Bon, alors je vous mets 11h, hein ? 23h, comme on dit dans les chemins de fer. Voilà, maintenant vous êtes prêt à partir. Vous n'avez qu'à appuyer sur le petit bouton là. Celui-là, hein, parce que l'autre, c'est le retour. J'ai bien compris. attends. Comprenez-moi bien. Il faut que vous soyez hermétiquement fermé. Sans ça. Sans ça ? Ah ben, si vous laissez une partie découverte, elle demeurera ici pendant que le reste de votre corps s'en ira dans l'avenir. Vous aurez le visage arraché, une mort affreuse, et tout ça, c'est vrai pour le moindre accroc à n'importe quel endroit du scaphandre. Alors, attention. Attendez. Ah oui, c'est lunettes. Ah. Attendez. Je peux les mettre là ? Oui. Il n'a pas les yeux en face des trous ? Oui. Ah ben ça, c'est la cagoule qui est trop grande, oui, moi. Ça
fait rien, on la fera retailler, on verra ça plus tard. Ah oui, mais c'est-à-dire que là, je ne vois absolument rien. Hein. Bon, bah, cale-lui le haut de la tête. Glisse-lui un journal plié sous la doublure. Hein? Tout va bien? Oui. Bon, Annette, passe-moi mon cahier. Que je note l'expérience. Voilà. Prêt? Prêt. Au voyage? Appuyez sur le bouton. Qu'est-ce qui lui arrive, là? C'est pas normal, ça. Rattrape-le vite, appuie sur le bouton retour. Oh, vous m'avez fait peur. Peur? Je suis resté au même endroit. Eh ben oui, vous n'avez pas changé de temps, mon vieux, il y a eu disjonction. Ah bon, ben je me croyais arrivé. Vous n'êtes même pas parti? Ah bah ben, tiens, évidemment, le bouton n'est pas complètement enfoncé. Ben avec les gants dans la main lourde, tu sais. Vous êtes resté coincé entre le présent et le futur. Ah bon? J'étais au conditionnel, alors. Oui. Je vais repartir. Ah non, c'est trop dangereux. Ben, mais si, mais si. Tenez, appuyez avec le pouce, ça sera plus net. Déjà? Ben, d'où venez-vous? De la de ma chambre. Ah ben, vous avez sommeil. C'est le désir qui vous guide. Ah bon, le désir? Ah oui, le désir inconscient. Vous aviez envie de dormir et vous êtes arrivé dans votre chambre. Ah ben, ça doit être ça, alors. Mais vous ne devez pas rester là, mon vieux. Ah non. Quel diriez-vous d'un petit tour dans le passé? Hein? Volontiers. Allez, une grande promenade, cette fois. Allez, t'allais, par exemple... L'année dernière, hein? Vous avez retrouvé le passé, votre passé. Bon. Ah! Essayez de savoir l'heure exacte où vous arrivez. Moi, je vous ai réglé pour 9 heures, mais plus on va loin dans le passé ou dans l'avenir, moins c'est précis. Un peu comme un rayon de lumière qui s'élargit. Bon voyage! Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben c'est toi, c'est moi, enfin c'est... C'est moi, c'est... nous, quoi. C'est moi. Oui. Mais alors, ça marche? Mais oui, j'arrive dans l'année prochaine. Quelle heure est-il, Lino? 9h05. 5 minutes de distorsion, alors. Et ce costume, c'est ça l'appareil? Ben oui, c'est le scaphandre du temps, tout simplement. Et voilà. Tourne-toi encore, je me suis jamais vu de dos. Mais volontiers. Voilà. Alors le professeur a réussi. Eh ben oui. Mais comment? Eh ben, il lui manquait une équation et je l'ai calculée. Enfin, toi, tu vas la calculer? Tiens, tu commences déjà. Ça? Oui. Tiens, Annette va descendre, je le sais. Alors sois gentil avec elle parce que je l'aime beaucoup. Toi aussi tu l'aimes, mais tu le sais pas encore. C'est la défense passive. J'ai peur. N'ayez pas peur, je suis là. J'ai toujours peur quand il y a des bombardements. Vous savez, il y a au moins 40 millions de chances contre une pour qu'il se passe rien. Vous calculez toujours tout? Ça dépend. En ce moment, par exemple, j'ai pas très envie de calculer.
Il y a des choses plus importantes pour vous que les mathématiques? Oui, Annette. J'ai froid. Prenez ma veste. Avec vous, Pierre. Moi aussi. Il y a longtemps qu'il est parti, non? Oui. Ça, c'est vrai. Et on met beaucoup de temps à revenir, hein? Bon, bah, peut-être qu'il se passe des choses intéressantes. Ah, bah tiens, le voilà. D'où venez-vous? Je me suis trouvé en face de moi-même. Et il était... Enfin, ils étaient tout surpris, quoi. Vous? Enfin, l'autre moi, c'était... Oui, forcément, ils m'attendaient pas, hein. Où était-il? Sur le liquage, dans le vestibule. Encore un lit? Décidément, vous avez sommeil. C'était l'année dernière, pendant une nuit où il y a eu une alerte. Vous vous êtes vu? Ben, comme je vous vois. Ça vous dirait rien, une autre petite promenade? Non, franchement, merci pour aujourd'hui. Vous avez sommeil. Et il faudra fixer bien votre pensée la prochaine fois avant de partir. Hein? Et puis, vous emmènerez ça avec vous. C'est une caméra. Vous ramènerez des images. Voilà vos images. Les années 80. Paris dans 40 ans. Des autos, des autos, des autos, des autos. Oh, ben les maisons n'ont pas beaucoup changé, dites donc. Ah, ben si, tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une usine? Non, c'est un musée. Tu en... Tiens. Regardez ça. Ah, la télévision. Ah bah ça y est, c'est au point. Hein. C'est dommage qu'on l'entende pas. Eh, vous voyez avec quelle pureté les traditions de la guerre se conservent. Les gens ne vous ont pas trop remarqué dans les rues? Bah, vous savez, eux-mêmes ont de drôles de costumes. Les étalages. Ah, la guerre est bien finie. Non, attendez, Pierre. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Regardez ces étiquettes. Mais ce sont les prix d'aujourd'hui, ça. Oh. Pas d'augmentation en 40 ans. Pas d'inflation. Ils ont des gouvernements extraordinaires. Oh, c'est déjà fini? J'avais qu'une bobine. Je vais allumer. Faut absolument que j'aille là-bas, moi. Mais papa, tu ne peux pas marcher. Ah, ben je me débrouillerai, je m'appuierai sur Pierre. Mais il faut absolument que j'aille dans un siècle ou deux. Voir ce que les hommes ont fait de la terre.
respire mal. Gaz carbonique. Il faut rentrer. Non, 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 attendez. Je dois regarder. Pourtant pas beaucoup d'oxygène. Allez, rentrons. Oui. Vous suivez? Oui, oui. Mon Dieu, ayez pitié de nous. Soyez forte, Annette. Je vais retourner auprès de lui avant que l'accident ne se produise et je le ramènerai vivant. Non, Pierre, ne partez pas. Il le faut, Annette. Allez, ne craignez rien. Pierre. Fatigue. Eh, nous avons eu un voyage bien long et bien déprimant. Bon, mais je vais vous laisser alors. Non, 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 restez, Pierre. Je vous en prie, restez avec nous. Général Saint-Menou. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez, Marie-Jeanne? Je veux que vous retourniez d'où vous venez. D'où je viens? Oui. Et moi aussi. On n'a pas le droit de reprendre sa mort. Allez vous coucher. On n'a pas le droit de voler le bon Dieu. Mais que je vous donne? Quand on est mort, c'est qui nous attend? Voulez-vous me foutre le camp? Je reprends mes notes, installé dans mon petit coin de cette maison devenue lugubre. Alors que le professeur vient de renaître, il règne une atmosphère funèbre. Annette ne va pas bien non plus. Elle sent que chez son père, quelque chose s'est cassé. Le professeur s'assombrit et témoigne d'une inquiétude chrétienne qui ne m'était jamais apparue. Elle a peut-être raison.
On n'a pas le droit de reprendre sa mort à Dieu. Il y a longtemps que j'avais pas pensé à lui, tiens. J'ai appelé le médecin du quartier. Il a diagnostiqué une grande fatigue du cœur et un profond épuisement nerveux. Il se laisse aller tout doucement, hein. Astrana, il passera pas la semaine. Et c'est ainsi qu'est mort, presque volontairement, un homme qui semblait posséder le pouvoir de vivre plusieurs vies. Marie-Jeanne l'a suivi, et cette double disparition a mis Annette au désespoir. Je vous laisse le soin de décider si vous devez poursuivre nos expériences. Pour ma part, cela ne m'intéresse plus. Je ne veux que paraître devant Dieu avec assez d'humilité pour faire pardonner mes audaces. Vouloir changer la condition des hommes, n'est-ce pas aller contre la volonté divine? Je vous bénis tous les deux. Il nous a laissé le fruit de ses recherches et de quoi manger pendant quelques jours. Au collège, que j'ai quitté depuis plusieurs semaines, ma place a été prise par un jeune professeur, Monsieur Bourguignon, qui est peut-être moins brillant mathématicien que vous, Monsieur Saint-Menoux, mais qui est là régulièrement, lui. J'ai été malade, Monsieur le censeur. Il fallait nous avertir et nous envoyer un certificat médical. J'étais négligent, mais ce n'est pas un crime. Ça n'est pas un crime, mais c'est une faute. Dans les circonstances que traverse notre pays, nous devons au maréchal de rester loyaux et laborieux. Mais oui, je comprends bien, oui. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si, on sait. Comment? On sait très bien de quoi demain sera fait. Il suffit d'aller y faire un tour. Hein? On se cafondre. Devient ambiguë. Les rapports très chastes que j'entretiens avec Annette risquent de se transformer. Elle reprend goût à la vie. La peine qu'elle a eue de la mort de son père est atténuée par les visites qu'elle lui rend. Elle a pour habitude, chaque jour, d'aller observer quelques scènes de leur passé commun. Elle a même été revoir cette nuit de juin 40 où nous nous sommes connus. Eh oui, elles sont pas très bonnes mes petites pilules. Hein. Elles dessèchent la gorge. Ah oui, c'est bien, je les ai essayés moi-même, c'est comme ça que je suis que vous alliez venir. Annette, va lui chercher à boire. Et à manger aussi, peut-être? Oui, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne coupez pas le gaz, je vous assure. Dans une semaine ou plus tard, tout sera payé. Vraiment, une semaine, voilà, pas absolument. Plus, sans ça. Vous aurez des ennuis, moi, je peux vous l'assurer. Il ira beaucoup mieux. Il faut trouver de l'argent, Annette. Si ça continue, ils vont nous couper l'électricité et le générateur ne marchera plus. Moi, je vais reprendre mes voyages, je veux savoir. Savoir quoi? Partout. Dans le passé et dans l'avenir, j'ai trouvé la guerre. Alors, je veux savoir si c'est une fatalité ou si je peux aider les hommes. On ne peut pas vendre, je sais pas, moi... Des tableaux, des bijoux? Des bijoux. Faudra en avoir des bijoux. C'est alors que l'idée m'est venue d'aller en chercher où il y en avait. Dans le 19e siècle cousu d'or. 50 ans plus tôt. Comme si je devenais moins coupable, hors du temps présent.
Paris, votre terre, terme du voyage, et je suis. Maudites soient les chaînes qui me font rampir ici-bas. Maudites soient tous ceux qui nous leurrent. Passe avec leur rêve d'amour ou de combat. Maudit soit le bonheur, maudite la science, la prière et la foi. Maudite sois-tu, patience, à moi Satan, à moi. Le voici. La surprise. Ne suis-je pas mise à ta guise, l'épée au côté, la plume au chapeau, l'escarcelle pleine, un riche manteau sur l'épaule, en somme, un vrai gentilhomme. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, docteur, oui. Que m'aimes-tu? Voyons, homme, que fais-je peur? Non, doutes-tu de ma puissance? Peut-être, mets-la donc à l'épreuve. Va-t'en, avec ça, on en doit juger d'autres sortes, et qu'il n'était pas besoin de l'appeler de si loin pour le mettre fils à la s'il vous plaît. C'est par ici le spectacle. S'il vous plaît. Vous êtes un voleur, Pierre. Oh, pas vraiment. Ces gens-là sont morts depuis longtemps. On ne vole pas ce qui n'existe plus. Je ne sais pas quoi penser. Mais de tout ce qui nous arrive, on ne sait pas trop quoi penser. D'où viennent-ils ? De 1891, il y a 50 ans. C'était une belle année, 1891. Eh bien, je ne sais pas, je l'ai traversée en courant. Bon, alors lequel vous plaît le plus? Ils me plaisent tous. Celui-là? Peut-être. Bien. Vendu. C'est extraordinaire. C'est un bracelet du siècle dernier. Une cinquantaine d'années. Les brillants sont taillés à l'ancienne et montés sur argent. Ah oui? Et le métal n'a pas bougé. Les parties intérieures devraient être noircies. Un demi-siècle. Ah ben oui. Comprenez, l'argent qu'on ne touche pas s'oxyde. Et celui-là est merveilleusement conservé. Ah, c'est curieux. C'est un bijou ancien et on dirait qu'il est tout neuf. Bien sûr, ben oui. J'ai l'impression d'être en 1890.
Alors les pierres de couleur sont plus difficiles à dater, mais c'est bien la même époque. Ça aussi, c'est dans un état. Ils ont été très peu portés, ces bijoux. Oui. Oui, parce que nous avons eu beaucoup de deuil dans la famille, alors forcément on sortait peu. Alors ça, étonnant. C'est un modèle que fabriquait mon père. Votre père ? Oui, Bouchard, le fondateur de la maison. Vous êtes venu ici par hasard ? Non, non. On parlait beaucoup de votre bijouterie dans la famille. Je les entends encore qui disaient Bouchard, c'est bien. Merci. Tout ça, c'est les années 90. L'époque du diable vert. Pardon ? Le diable vert ? Un voleur de bijoux extraordinaire, dont on pense qu'il a inspiré par la suite le personnage de Fantômas. Ah, et votre père l'avait vu ? Non, non. Le vol avait eu lieu dans un théâtre, au cours d'une représentation, à Traviata. Quelque chose comme ça. C'est la même époque. Mmh. De la fraîcheur, de la vivacité. Et ils ont une grosse valeur ? N'allez pas trop vite. Ils sont très beaux. Ils sont beaux. Enfin, ce sont des bijoux anciens. Disons que ce sont de vieux bijoux. Mais magnifiquement conservés. Oui, mais justement, c'est ça qui est embarrassant. Comprenez, ils font un peu trop neufs pour des bijoux vieux et un peu trop vieux pour des bijoux neufs. Ah. Vous les prenez quand même ? Je peux vous en donner 2000 francs. Très bien. Écoutez, cher monsieur, je suis ravi de pouvoir vous aider. À votre disposition, la maison vous est ouverte. Merci. Le diable vert, c'est moi. Le dessin n'est pas très ressemblant. Il s'agit peut-être d'une coïncidence. Non, non, c'est moi. C'est ma visite au théâtre et mes vols de bijoux. J'ai modifié le passé, Annette. Mais ce livre est ancien. Ben, il est à la fois ancien et nouveau. Il n'existait pas il y a 8 jours et maintenant, il existe depuis 50 ans. L'antiquaire l'avait depuis longtemps ? Oui, c'est un vieux rossignol qu'il n'arrivait pas à vendre. Depuis 20 ans. N'empêche que si j'avais été chez lui la semaine dernière, il n'était pas dans la vitrine, j'en suis sûr. C'est effrayant. Non, non, c'est passionnant. Pierre, vous me faites peur. Il faut arrêter ces voyages. Non, non, au contraire. Au contraire, il faut les organiser mieux. Il faut noter ce qui nous arrive pour avoir une preuve. Parce que le nouveau passé, celui que je fabrique, va effacer nos souvenirs anciens. Alors ce livre, par exemple, il a 200 pages. J'écris dessus au début qu'il a 200 pages. Maintenant, je vais lui ajouter un nouvel épisode. Pierre, ne partez pas, je vous en prie. Il me faut une preuve, Annette. Ce sera pas long. À 3 heures, je serai de retour. Émotion, madame la comtesse, il va sûrement être arrêté dans les jours qui viennent. Tenez, alors voilà quelques bijoux de qualité, extrêmement rares. Voilà. Faire attention avec ce coco-là.
N'hésite pas. S'il essaie de se sauver... C'est un drôle de pistolet. Au théâtre. Il s'est envolé comment? Ah, tu peux me le dire, toi? C'est pas naturel, tout ça. Et puis quand il parle, il dit des folies. Hier, il me fait... Quel âge vous avez? J'ai 55 ans. Eh bien, vous êtes mort. Pour moi, vous êtes mort. C'est un fou. Tout cela est bien est extraordinaire. Mais non, nous ne sommes pas dans un roman de Jules Verne, monsieur Vigne. Oui, je suis tout à fait de votre avis, monsieur le professeur. Alors, je compte sur vous. Ne faites pas de ce malfaiteur un héros populaire, c'est un fou. Soyez tranquille, monsieur le préfet. Là. Et ramener ces disparitions à leur juste mesure, il n'y a pas de mystère dans tout cela. Pas de surnaturel. Pas de surnaturel. Là, vous allez l'interroger? Je l'attends, monsieur. Là, vous me tenez au cours? Mon cher Vigne. C'est où? Votre nom? Saint-Menou. Ça commence bien. Comme le héros de l'Empire. C'était mon ancêtre. Eh bien, gardons Saint-Menou pour l'instant, hein, au point où nous en sommes. Date de naissance? 23 janvier 1911. Combien? 1911. Ah, nous y voilà. Vous l'aviez déjà dit aux policiers, mais j'avais envie de l'entendre moi-même. Nous sommes en 1891. Et vous allez venir au monde dans 20 ans. Monsieur le juge, comprenez-moi. Je ne suis pas de la même époque que vous. Ah. Vous êtes du temps de mon grand-père. Eh. Ou de mon père. Eh. 1891, mon père a 5 ans. Mon père a 5 ans. Oui. Je veux le voir. Vous allez me chercher? Mais comment donc? Voilà un homme qui a une trentaine d'années, qui n'est pas encore venu au monde, et qui a un père âgé de 5 ans. Mmh. Vous n'allez tout de même pas nous plaider la folie, hein? Vous n'aviez pas l'air d'un fou à l'opéra. Vous aviez un drôle de costume, mais vous aviez l'œil vif. Écoutez-moi bien, Saint-Menou, ou n'importe quoi, vous n'allez pas vous moquer de la justice plus longtemps. Monsieur le juge, mon cas ne relève pas de la justice, mais de la physique. Alors je demande à parler en présence d'un membre de l'Académie des sciences. Puisque vous me chantez là... Il faut que je m'explique devant quelqu'un qui ait une chance de me comprendre. Mais... Je suis là. Et vous allez tout me dire. Vos complices. Vos combinaisons. Votre emploi du temps. Et d'abord... Pourquoi portez-vous ce costume vert quand vous volez des bijoux? Parce que c'est avec lui que je m'en vais, que je me déplace. À la bijouterie, vous ne vous êtes pas déplacé? On vous a bien attrapé, hein? Oui, parce que mon scaphandre était déchiré, là, oui.
Mon scaphandre était déchiré, je pouvais mourir comme Essaillon. Qui ça? Essaillon. Ah, Essaillon. Notez ça, notez bien. C'est un complice. Et il est mort, dites-vous. J'ai été le rechercher après sa mort et il n'était plus mort à ce moment-là. Après sa mort, il n'était plus mort. Oui, enfin, il est mort après. Bon, ne notez pas ça. Hein. Il fait ça pour nous embrouiller avec des choses surnaturelles et il n'y a pas de surnaturel. Alors finissons-en avec ce costume vert. Ces boutons-là, à quoi ça sert? Non, n'y touchez pas. Vous me donnez des ordres maintenant? Mais non, monsieur le juge, je ne vous donne pas d'ordre. Mais c'est ma dernière chance. Alors s'il vous plaît. Tenez-le bien! Il va s'enfuir! Mais non, je ne peux plus m'enfuir! C'est ma dernière chance! Je vais rester avec vous maintenant, toujours! Toujours! Pierre! Où est-il? 1891. Je peux le réparer. Ouais, c'est bien, Chouillou. Hein? C'est bien, c'est très bien. Vous avez une belle écriture. Oh. Si. Bien, on va améliorer tout ça. Mais monsieur le juge... Écrivez. Le soi-disant saint Menou, le soi-disant Saint Menou, on va à la soupe. Bah, on peut le laisser seul. Bon, ben, dans l'état où il est, tu sais. Bon. Pierre. Annette. Habillez-vous vite. Comment m'avez-vous retrouvé? C'est merveilleux, Annette. J'étais désespéré, je ne savais pas comment faire. J'étais prisonnier de ces gens qui sont morts depuis longtemps. Et puis chez vous, Pierre. Je vais pouvoir repartir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est le 20e siècle. Le forcené a pu être maîtrisé à grand-peine et reconduit sous bonne garde à son cachot. Voilà. Je ne parle pas de la disparition. Quelle disparition? Le costume vert. Quel costume vert? Le... Eh bien, dites. Non, je confondais. Vous lisez trop de feuilletons, Chouillou. Dans la vie, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Il n'y a pas de surnaturel. Il sera accordé 250 grammes de matière grasse contre le ticket DK de novembre par décision du 3 mars 1942. Il n'y a pas de surnaturel. Non, Annette. J'abandonnerai quand j'aurai été jusqu'au bout. Je veux savoir. Savoir quoi? Je sais pas. Je tâtonne et tout m'échappe. J'ai l'impression que mes souvenirs en effacent d'autres. Tiens, ce livre, par exemple. Je me rappelle bien l'avoir acheté, mais j'ai... Le Diable Vert. 250 pages d'aventure. Je vais repartir, Annette. Marions-nous vite, Pierre. Thank you.
Je ne serai jamais complètement heureux avec Annette si je ne trouve pas la réponse à la question que je me pose. Puisque je peux changer le cours du passé, m'est-il possible d'arrêter les guerres et d'aider les hommes à être heureux? Je vais partir pour Toulon en 1793. La ville est aux mains des Anglais, Napoléon Bonaparte en dirige le siège. Dans quelques années, il va conquérir l'Europe. Pour l'instant, il n'est qu'un jeune officier. S'il meurt maintenant, que deviendra l'histoire de France? Je veux le savoir. Je vais tuer Bonaparte. Oh, tirate d'ici, mi fai d'ombre. Je me cache au soleil. Et tous les trois là, vite, debout, prenez des sacs de sable, allez le protéger. Samenou. Mes jambes. Samenou est blessé. Brancardier, vite, emmenez-le, Samenou est blessé. C'est Saint-Menou. Oh, vieux. Ah, doucement. Allez, je vais m'en occuper.
Ah, c'est de la mitraille. Bon, allez, nettoie-moi tout ça. Il va s'en tirer, hein, c'est pas grave. Une balle, ah, puis une fameuse. Bon, allez vite, vous l'emmenez sur la table. Et vite, vite, vite. Allez, allez, allons-y, allons-y, allons-y. Allez. Bon, je vais essayer de l'extraire. Bah, à peine. Attendez. Je le sens un peu. Faible. Faible. On dirait qu'il va passer. Attendez. Je le sens qui va, qui vient. Ça va, ça vient. Dîner dans la chambre. Laisse-moi faire. Tu montes pas avant que je t'appelle, promis? Promis. Saint-Menou, mon ancêtre. Et si je l'ai blessé à mort? S'il venait à mourir? Il ne se mariera pas, il n'aura pas d'enfants, pas de petits-enfants, et moi, je n'existerai plus. Hey, je t'ai demandé de ne pas venir. L'escaphandre. Pourquoi l'escaphandre? Il va mourir, il faut que je retourne là-bas avant la bataille et que je recommence tout. Il faut qu'il vive, Annette. Tu es fou, qu'est-ce que oui, tu veux? Où est mon scaphandre, Annette? Je les ai cachés. Où? Je ne veux plus que tu partes. Mais Annette... Il le faut. Si je le sauve pas, je disparais et tu m'auras jamais connu. Et tout ce que j'ai fait sera défait, tout ce que j'ai défait sera refait. Je ne comprends pas. Il faut que j'arrive au moment exact, ni trop tôt ni trop tard. Mmh. Alors Annette, vite, mon scaphandre. Bon, ramenez-le sur sa paillasse. Donne-lui à boire. Saint-Menou. Bon, je vais voir les autres.
Tu ne dors pas? Non. J'ai cru entendre un cri dans mon sommeil. Quelqu'un qui m'appelait. Tout est calme. Qu'est-ce qui t'appellerait? Tu travailles encore? Oh non, je vais me coucher. C'est drôle que tu arrives là maintenant. Regarde ce que je viens d'écrire sur mon carnet de notes. Ce soir, 3 octobre 1942, je renonce au voyage dans le temps, c'est une folie. Ben oui. Il y a des éléments mathématiques qui me manquent. Oh, j'y arriverai jamais. Allez. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir, papa.